Le briefing pour la deuxième mission. Objectif, neutraliser la menace, sécuriser l'épreuve, nombre de suspects 8 et nombre de civils 3. La coordination nous dit, les infos concernant l'armadillo étaient fausses, mais il semblerait que vous soyez sur la piste de quelque chose de plus important. Rendez-vous à l'entrepôt dont parlait le suspect si possible avant que le reste du gang n'arrive, sinon coffrez-les. Alors l'équipement, je vais garder la même chose. Le trajet jusqu'à l'entrepôt s'est fait principalement dans le silence. Mais je connais John Parker. Il était impatient, comme un gosse au réveillon de Noël. Il pouvait à peine rester assis. J'apprécie ça, c'est lui, son dévouement, sa passion, son énergie. C'était dans ce genre de moment que je réalisais que lui et moi, on était faits pour ce job. Ça semblait... parfait. Et prends Eric. Ouais, vas-y. On the ground now! On the ground now! Nous braque pas, on t'a dit. T'es prêt? Allez, j'ouvre. Hands up! Hands in the air! Hands up! Police, drop your weapon! Vas-y, je couvre le couloir. Fais gaffe, la porte en haut est toujours ouverte. Ferme. C'est bon? Ouais. Hey, y'a. J'entends un civil gueuler là. Personne. Putain, c'est chaud. Y'a un mec qui le tient en joue, je pense. On flash? On fait quoi? On flashait. Ah merde, c'est toi, vas-y, t'es prêt? 3, 2, 1. Get down now! Get down now! Hands up. Ah, you're down. Hands in the air. C'était chaud. On l'aurait pas flashé, il l'aurait buté. Restez tranquille, monsieur. On revient. Allez, joue. You're down. Hands in the air. You're down. Hands in the air. Ah. On the ground now! On the ground now! Bien joué! Bien joué, Eric, t'assure. Get down now! Get down! On check cette pièce là. Tu veux que je flash? Ouais, j'ouvre. Oh putain! Get down now! John! John! Eric, je suis blessé! Allez, on se la refait. J'ai fait un cauchemar, j'ai cru que je mourrais. Je fais plein de cauchemars, moi. Et ouais, j'ouvre et tu flashes. Attends, parce que faut que je flash. Allez, vas-y. Prends ça dans tes dents, toi! Laisse-le tranquille. Voilà. Là, j'ouvre. Vas-y. Heads up! Get down! On the ground now! Police, drop your weapon! Ah, je le menotte. Je récupère son arme, je m'occupe de lui. On flash. Tu mets pas en face, hein. Get down. Pardon, monsieur. Il s'était rendu. J'ai quand même mis un petit coup de crosse au passage. Heads up. Ok, c'est bon. Put your hands up. On the ground now. Ah, sinon... J'ai touché. Ah merde, putain. On aurait pu le flasher, lui. Get down now. Put your hands up. Ah, moi aussi, je suis touché, bordel. Donc bon, c'est bikers. Attends, je crochette.
Je vais me mettre un petit bandage après, attends, je vais me soigner vite fait. C'est bon. C'est pas soigné mon... Non, c'est pas soigné. Ah, c'est bon. J'ouvre. Vas-y. Ah, excuse-moi, je voulais le défoncer discrètement. Ça fait plaisir de reformer ce duo. Vas-y, j'ouvre. Get down now. Bien joué, Eric. Bravo à toi. On fait 10 000 ! Nice. On fait 10 000 en étant blessés tous les deux. Bah putain. Bravo Rick, t'as géré de ouf. Allez, on continue l'aventure. Ce document indique que le contenu de cet entrepôt appartira. Stonel Roberts, c'est l'un des plus grands fabricants et distributeurs d'armes du pays. Il collabore avec le FBI, la CIA, l'armée, divers SMPN. Bordel, je crois que même notre commissariat utilise leur équipement. Tu sais quoi? Ces documents sont corrects. Alors cet endroit est rempli d'explosifs. Regarde ce registre. Système de minuteur pour explosifs de type C4. Ces stocks permettraient de fabriquer une centaine de bombes. Je l'ai pas fait avec la question, mais bon. Que peuvent-ils bien vouloir en fait? Je prends. Attends, on devrait essayer de tracer l'appel. Très bonne idée, Johnny. Donne-moi juste une seconde pour sortir mon équipement. Ah, c'est vrai. Je l'ai pas avec moi. Parce qu'on n'est pas dans une série TV. Je le savais. Bref, je prends l'appel. Hey. Alors attends, faut que je fasse une autre voix là. Hey, on est presque à la maison Starsnetsky. Vous avez fini avec la cargaison? Yev, c'est bon. Attends, Karl, c'est toi? Yev, c'est moi, Karl. T'as pas la voix de Karl, toi? T'es qui? Les flics! Merde! Saleté, il a raccroché. Excellent jeu d'acteur, Karl. Qu'est-ce qu'il a dit, quelque chose? Ouais, un truc au sujet de Snosneski. Stanislavski? Probablement Kevin Stanislavski. Le jeune réalisateur. Rick, ça va? L'étoile montante des studios Primrose et quelqu'un de connecté à des gens dangereux. Enfin bref, je pense savoir où ils vont. En voiture, on n'a pas beaucoup de temps.